Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes quand même au courant que depuis quelques jours, ça brûle entre les artistes camerounais, non? Boycott, 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 boycott. Et ça va péter! Entre-temps, pendant ces boycotts-là, il y a eu clash entre deux grands artistes. Bon, je ne sais pas si on va dire grand ou petit artiste, on va découvrir ça tout à l'heure. Il y a eu donc clash entre deux artistes. Vous connaissez l'artiste Kofo, qui avait fait un son phare là. Si tu vois Mango, dis-lui que je go Fala Ledo chez les Watts. Sauf que le gars arrivé chez les Watts pour Fala Ledo, c'était aussi Tron. Il a décidé de battre au bercail, gérer le noir, des néos, jusqu'à on a même organisé les matchs pour Eneo, il n'est pas go. De l'autre côté, il y a le général Valsero, un activiste politique. Que lui-même il a charbonné ici au pays, ça a cuit sur lui. Selon ce qu'on dit, il a trouvé une vieille Watt. Le gars s'est accroché. Il arrive là-bas, c'est chaud n'importe comment. Le gars dit qu'il ne bat pas. Mais il est là-bas. Donc, celui de Kopo, qui gère le noix des noix avec nous ici, a cru à un moment donné qu'il était déjà sur la même balance artistiquement parlant avec Valsero. Le gars donc commencé, il est sorti de boycott, commencé plutôt à clasher Valsero. Ça a suscité la toile. Les gars qui venaient dire, Valsero chante quoi? Il fait la blé, fait que concert sans le parti XY. C'est que qui devait venir à son concert? Il chante un genre de musique. De l'autre côté, on dit, Kopo est le grand artiste, c'est l'artiste du peuple, machin truc. Donc, chacun disait sa part. Sauf que, il y a un activiste également politique qui a fait une petite vidéo tout à l'heure pour fermer les bouches. Vous voulez écouter la vidéo? Quand je ris d'abord comme ça, apprêtez vos côtes parce que hein, vous allez pourrir des rires. Alors, écoutez juste un peu d'extrait de cette vidéo. Alexa, qui est Valsero? Valsero, de son vrai nom Gaston Abbé, né le 12 septembre 1975 à Marseille, est un rappeur et militant camerounais connu pour ses paroles engagées qui abordent la corruption politique, les violations des droits de l'homme et d'autres problèmes affectant le peuple camerounais. Il s'est fait connaître en 2010 avec sa chanson Power to the People, qui est devenue Alexa, stop. là, ça concernait le général Valsero. On va prendre maintenant la partie de Kopo. Mais avant, juste une petite pause publicitaire. Publicitaire. Pour tous ceux qui sont en couple ou bien pour tous ceux qui sont mariés et qui ont les difficultés de conception, contactez le docteur Moringa. C'est pas vrai. C'est vrai. Le docteur Moringa est un naturopathe le meilleur de sa génération. Ah bon? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorcie, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Ok. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguier, à 100 mètres de l'hôtel Manguier. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. Très bien. Écoutons maintenant la version de Kopo. Alexa, qui est Kopo? Je ne dispose pas d'informations précises sur une personne nommée Kopo. Je ne dispose pas d'informations précises sur une personne nommée Kopo. Oh, ah, vraiment le Cameroun. Les amis, Google dit qu'ils ne connaissent pas eux Kopo. Kopo, c'est qui? En même temps, ils reconnaissent quand même Valsero comme rappeur camerounais. C'est ce que moi je retiens. Bon, activiste, c'est l'autre, c'est leur couloir là-bas. C'est-à-dire que rappeur camerounais, Google le reconnaît. Mais Kopo, Google dit que je ne connais pas le genre de nom là. Mais vous savez ce qui m'a encore fait rire grave, c'est marrant. Comme vous pouvez voir en commentaire là, parce que quand il a fait ce post, mais les gens sont venus me verser les commentaires. Parmi les commentaires, tiens, voici le commentaire qui m'a marqué. Donc, le gars lui vient se m'écrire que Kopo, c'est un artiste de kermesse et des voix bébés. Hey! Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça, un artiste. Si je pouvais trouver le gars qui a mis le commentaire là, j'allais lui donner d'abord 5 coups d'abord. Chai! Que c'est un artiste de kermesse? Comment on peut descendre quelqu'un jusqu'à ce niveau-là? Entre-temps, nous-mêmes on comprend, non? Chacun comprend déjà. Comme l'autre artiste, Malon, ça chantait que les gens marchent ici dehors par catégorie. J'espère que chacun connaît sa catégorie, mais maintenant.
Vraiment, c'est malheureux. Adama, Google ne te connaît pas, bro. Google dit que... Écoutez bien. Il y a cependant plusieurs personnes portant ce nom de famille ou ce surnom dans différentes régions du monde. Pourriez-vous fournir plus de contexte ou d'informations sur la personne que vous recherchez? Mais le type, si. Alain Cham, c'est comme ça qu'on l'appelle, Alain Cham officiel. Tu es Bahat, mon frère. J'ai fait mes propres recherches. Okopo est reconnu comme animateur radio, rappeur camerounais et acteur de cinéma. Mon frère, pardon, easy. C'était juste un instant pour le divertissement, les gars. Rien de tout ça. Okopo est reconnu par Google. Ok. Les gars, pardon. Partagez-moi cette vidéo. Mars, partagez. Et si tu es nouveau, abonne-toi. C'est la page, c'est la chaîne du divertissement. Ou bien... Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.